Marc Hudeloup, je suis le directeur du site d'Inotera Chouzy. Alors Inotera a deux activités, l'activité de compression veineuse élastique, ce qu'on appelle communément les bas de contention, qui est, cette activité est réalisée dans les Vosges, donc pas le site qui nous intéresse ici aujourd'hui, Inotera Chouzy, où ici on se concentre sur la partie réalisation de médicaments et essentiellement des formes sèches. Il s'agissait de mettre en œuvre des salles de pesée dans notre atelier de fabrication. L'idée était de remanier ces salles de fabrication, ces salles de pesée pour les réintégrer au sein du flux de l'ensemble de la fabrication. On travaille déjà depuis plus de 12 ans avec Pharmadex sur plusieurs projets qui à chaque fois se sont révélés être des succès. Et donc l'idée était évidemment de maintenir ce travail qu'on a et cette collaboration qu'on a pu avoir les années passées. Alors le clé en main est effectivement un point important à nos yeux pour justement nous apporter une aide à la réalisation parce qu'on a effectivement les capacités en interne à réaliser clé en main des projets relativement importants. Cependant, avoir un tiers qui s'occupe de l'ensemble de la prestation et qui garantisse le résultat, évidemment, c'est très important et ça décharge des équipes en interne et qui peuvent, et bien sûr, se consacrer à d'autres projets. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Donc, on parlait de partenariat et l'habitude qu'ont les équipes Inotera et Pharmadex de travailler ensemble.